Bien, bonsoir, camarades. Alors, c'est vrai que traditionnellement, nous avons souhaité la bonne année, meilleurs vœux, meilleure santé, joli monde qui a souhaité l'argent. Mais, je sais, moi, là, ça, on pas souhaité bonne année, bonne santé. D'abord, ça a fait considérer qu'il était un monde en côté, qu'il était sorti en côté. En espèce de sauveur suprême qui t'a venu la santé, qui t'a venu au travail, qui t'a venu l'argent, l'amour. On va avoir pas pour moun que ça a rien bon nous, si vous voyez pas nous-mêmes qui met pied en nous en calpier et qui goumé. L'année 2023, là, ça, c'est l'année à combat. C'est malgré en nous pour nous continuer à lutter. D'avoir nous déjà bien comprendre que l'État français, avec complicité à les élus, ils ont parti pour fondre rien à voir du pays. Et ça, c'est la réalité, camarades. Là, nous pas garder à tous les niveaux, ils ont pas fondre rien à voir du pays. Et c'est pour ça que nous faisons rencontrer avec les délégués, avec les travailleurs, dans toutes les entreprises, dans tous les secteurs, avec toutes les organisations syndicales. Pour nous parler entre nous, pour nous faire beaucoup mais pour nous faire rendre compte des rôtés à profitation qui n'y a dans ces entreprises-là. Et ces mêmes profitations-là, d'avoir, c'est les mêmes stratégies que tous les patrons qui ont utilisé. Et comme là où était gardé, là où était analysé, ça va passer par qui l'idée. Ça va passer déjà par le fait qu'il n'y a pas ôté tout ça au milieu. Tous les acquis, tous les avantages. Que nous t'es semblé à dans, ça nous peut créer des accords de branches professionnelles ou des conventions collectives. Il n'y a pas en sorte de dénoncer, supprimer ou alors pas parler d'elle encore pour qu'elle puisse morder lui-même. Ça veut dire que tous ces travailleurs-là qui sont dans ces entreprises-là, qui n'ont pas bénéficié d'une sorte de garantie sociale pour mutuelle, santé, travail, tout putain, eh bien, ils n'ont pas mis à rien de garantie encore. Après ça, ils n'ont pas décidé qu'ils n'ont pas parlé bon, ils n'ont pas négocié ça. Depuis c'est l'argent, ils n'ont pas parlé bon. Ils ont tout en difficulté, ils n'ont pas payé pas. Et ils ont tout sauté si Covid pour profiter pour dire qu'ils n'ont pas mis l'argent. Alors ils n'ont pas parlé bon. Et après ça, ils n'ont pas décidé que comme ils ont en difficulté, eh bien, ils n'ont pas réduit si effectif à eux. Et les seuls salariés qu'ils n'ont pas prié, eh bien, c'est des intérimaires. C'est des contrats de professionnalisation qui, normalement, en contrat de professionnalisation, j'aime là censé mettre expérience à profit, apprendre métier là, et vous, pas permettre de rester travail. Vous pas servir avec nous, après, vous pas dire merci. Ou alors des CDD. Et quand il y a là à présent, c'est des sous-traitants. Vous pas pousser les salariés à créer propre entreprise à eux et il n'y a pas fait des sous-traitants. Mais c'est ça. L'accès à l'emploi pour les Guadeloupéens, inégal. Ça, c'est dans les entreprises. Et là, on ne peut rester gardé en dehors à l'entreprise. C'est le même problème-là. Nous sommes comme camarades, dans nous séduire ou parler au niveau à l'école. Il n'y a pas organisé l'échec scolaire. Là, on a supprimé 131 postes. Alors que nous savons que c'est une agent de difficulté. Qu'est-ce qu'il est pour ça, s'il n'y a pas l'échec scolaire? Là, après ça, vous parlez, vous faites le travail. Vous pas fait en sorte d'augmenter, faire augmenter ton travail pour partir à la retraite. Eh bien, vous pas fait en sorte que là, vous faites le travail, vous êtes tellement las, qu'il n'y a pas l'île de tout qui fait, c'est bon ou pas bon. Et camarades, en vie, y a ces mêmes bites-là. Là, on entre à casa, on peut nous faire un faveur. Eh bien, de l'eau à empoisonner. On va là où on veut ouvrir au billet, la panique de l'eau. On n'a pas coulé, il m'a oublié, il a senti. Quand on dépend tout partout, encore, on est caillé dans notre billet, mais il y a encore. Et il y a terre, on tout partout. Et on a dit, on ne sait pas, on n'est pas responsable. C'est eux-mêmes qui sont responsables. L'État pas responsable, on n'est pas responsable, non lieu. Alors, camarades, là, on pas fait tableau là, ça, là, on pas dressé tableau là, ça. C'est le but d'un pays. C'est des top Guadeloupéens concernés. Si on parle de Timoun, mais on pas travaille en côté.
Donc, vous concernez par les conditions de travail qui a dégradé mission ici. Vous concernez par les dégradations aussi à condition de vie qui au niveau du transport, qui au niveau de la pollution, qui au niveau de l'eau qui va empoisonner. Vous concernez à tous les niveaux. C'est pour ça, camarades, que nous baillons date. Nous fixons le 7 février. Ça ne veut pas dire que le 7 février, que nous avons journée et nous avons arrêté. Le 7 février, tout simplement pour nous faire organiser, nous tout partout que nous y est. Si c'est à dans le travail, on peut organiser un travail. Si c'est à dans le quartier, on peut organiser un quartier. Si c'est en famille, si c'est à dans l'association, si c'est en masse, si c'est à l'université, nous pouvons organiser nous pour nous faire organiser la riposte. Parce qu'en paradis, ils sont partis pour fondre à Guadeloupe et nous sommes morts après l'autre. Et comme à la part, en jeu de mots, nous sommes morts vraiment. Et si ils n'ont pas fait en sorte justement de ne pas soigner Guadeloupe et laisser la maladie tuer nous à ne pas pouvoir rien. Parce qu'on ne peut pas dire même comme ça que depuis plus de 14 mois, on est tout ça travailler qui dérobe. Sans l'argent, qui en misère. Et que vous, président, à l'étranger, vous avez dit comme ça que vous avez augmenté le nombre de soignants désormais pour sortir de la crise. Qui n'ont pas augmenté le nombre de soignants alors qu'on dit des gens qui suspendent toujours et qu'on ne peut pas faire ça, pas cracher si vous ne pas mépriser nous. Alors à qui vous ne pas parler? Bien évidemment pour la France. Parce que si ne peut pas régler le problème à la France, comme n'y a pas de problème à la Guadeloupe. Et nous toujours considérés comme des moins que rien. Camarades, nous pas français. Parce que quelle que soit la décision que nous prenons, quelle que soit la politique que nous mettons en place, eh bien c'est nous qui sommes passés en dernier. Et nous avons fait en sorte que nous continuions bon. Donc, dans l'année 2023, nous n'avons pas mis d'autres choix qui gourmet. Nous pas organisé nous. Nous avons fait ça qu'il faut, la nouiller. Mais il faut nous gommer. Et à partir du 7 février, nous dit, il faut que, quel que soit les nouilles en mouvement, si c'est nous bon portant nous que nous bloquer. Si c'est un dident qui a pris la nouille là, parce que nous n'y revendications, parce qu'il n'y a pas fait gérer avec nous, parce qu'il n'y a pas méprisé nous, parce que le patronat au fond de chou, parce que l'État français au fond de chou, et les politiques n'ont pas rien fait pour nous jusqu'à ce jour-là. Alors nous faisons vrai, évolution statistique n'a pas vu. Tout est vu, j'ai commencé à sembler. 14 mois, les camarades dans la rue, là, ils n'ont pas mis de travail. Ils n'ont pas juste semblé tout ensemble comme ça pour garder. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour sortir de cette situation-là, ça? Pour sauver peuple en nous. Pour garder qui je ne pas sauver le système de santé là. Ils n'ont pas 6 ans ensemble pour réfléchir. Et c'est qu'on y est là, comme par hasard, tout le monde a semblé. Tout le monde choqué par le non-lieu du corps d'école. Comme si ces jeunes-là, ils font d'école en Guadeloupe. Tout le monde choqué. Et là, il y a eu 6 ans, soi-disant, à travers l'évolution statistique pour garder qui je m'aurais changé la vie. En malade, c'est nous-mêmes qui sauvons vie en nous. Et tout ça qu'elle nous a fait, tout combat qu'elle nous a mené, c'est justement pour sauver vie en nous. Parce que ça n'a pas pensé pour la sacrée fait en nous. C'est combat, c'est rien qui combat, et encore combat. Alors 2023, on nous gagne, on nous quitte solide, on nous met nous ensemble. Chercher tout le monde qu'elle nous connaît, tout partout, sembler tout le monde, pour nous pégouber, pour qu'à partir du 7 février, eh bien, on connaît pas qui va nous payer. Je nous qu'elle était à genoux, et que j'aimerais vous. Merci, camarades.